Salut à tous. Bon, ben, nous revoilà au bord de la Charente, sur une zone de tenue, enfin, soi-disant une zone de tenue, enfin, soi-disant, là, normalement, oui, hein. Normalement, ils y sont, hein. Donc, une petite pêche de journée, juste pour voir ce que ça donne. Bon, je vous fais voir où je suis tendu. Donc là en face, on voit bien l'arbre, un arbre immergé. Là, j'ai une canne. Ici, et une canne. Ici. Voilà, donc zone de tenue que je connais. En décembre, je sais pas. Si elles sont encore dans le coin, je suppose que oui. Je connais le bief un peu, hein, parce que je passe régulièrement, enfin régulièrement. Je suis déjà passé en bateau dessus, donc au printemps il y en était à son dedans, avec une zone de nourriture qui est certainement, je suppose, plus par là-bas. Que pour l'instant je ne peux pas y accéder, donc je me contente de ça. Voilà, à suivre. C'est moi, juste pour sur la zone là, comme c'est une zone de tenue. Je reviendrai plus tard sur la localisation, la présence du poisson, je vous dirai juste comment je fais ce que je pense, ça n'engagera que moi. Voilà, donc ici, comme je suppose que le poisson il est déjà, c'est un sac soluble, un petit bonhomme de neige, je vous ferai voir tout à l'heure, non, je vous fais voir maintenant. Voilà, donc c'est un sac soluble avec 10 billes de vin coupées en deux, un bonhomme de neige dedans avec une danse, une 20 mm danse et une petite flottante dedans, enfin avec, dedans, parce que si je mets la flottante dedans, donc avec le montage. Voilà, donc juste les deux cannes montées pareil, bazardées et dessus, une quinzaine, une vingtaine de billes, c'est tout. Sur une zone de tenue, je considère que, puisque je répète que ils y sont, hein, attends, ils y sont, donc j'ai pas besoin de, hein, peut-être que j'aurai besoin si, ou peut-être que non. À tout à l'heure. Ouais, quand je suis remoi, toujours rien, hein, toujours rien. Quand je vous ai parlé de zone de nourriture tout à l'heure,
par là-bas, là, sur la berge d'en face, là, c'est parce que en fin d'été, je suis passé en bateau dessus et en fait, je les ai vus taper un petit peu dans les dernières pousses de nénuphars. Ils étaient en train de piocher là-dedans. Donc en fait, c'est pour ça que je sais que la zone n'est pas loin. Donc zone de nourriture pas loin, zone de tenue ici, comme je vous le disais. Fausse alerte. Donc oui, je vous disais, si on me laisse parler, je vous disais que voilà, zone de nourriture à une, allez, on va dire une cinquantaine de mètres d'une zone de tenue, je suis pas mal, comme dit l'autre, je suis pas mal. Enfin, ce me semble. Bon, je vous reprends. Une petite, à mon avis, ratée. Pas, je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas touché. Pas bien piqué. Pas... Et pourtant, c'est des montages qui déclavent pas. Hein. Jamais. Sauf. Bon. Donc, ouais, au bout de. Au bout de 20 minutes, juste un sticker et une quinzaine de billes autour sur la zone de tenue là et c'est parti. Mais c'est pas revenu. Mais ça va y aller.
Je vais pousser encore pendant 1 heure. Et puis on va voir. Hein. On va brancher. Je pense que je vais revenir parce que je reste persuadé, persuadé qu'il y a du poisson dans cette zone de tenue. Certitude quand tu nous tiens. Donc pour l'instant là, je vous dis, je pousse pendant 1 heure. Et puis si je reviens pas vers vous, bisous, à la prochaine. Salut. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, de retour sur ma zone de tenue. Je suis tendu depuis une demi-heure. Depuis 2 jours là, ça a bien mouillé. Et le niveau est bien monté. Donc là, ça commence à charrier un petit peu de bois. Je tiens, mais. Et en plus, j'aime pas trop pêcher dans des eaux comme ça. J'aime bien quand même. Voilà, les grands machins choses là, j'aime pas trop. Ça commence à charrier de la merde de plus en plus. Pas bon, pas bon, pas bon. Bon, ça commence à pousser sérieux. L'icane commence à baisser la tête. Là, elle vient de monter à peu près de, je sais pas, on va dire, depuis que je suis arrivé, ça fait 3 heures que je suis là, elle a dû monter de 5 cm. Donc ça pêche, je sais pas trop comment ça pêche. Ce que je sais, c'est que j'aime pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça pêche pas des masses, hein? Ah ouais. Bon. Je vais m'arrêter là pour ma zone de tenue, là. Donc, résultat des courses en 2 fois. Une dizaine d'heures de pêche. Un zzz. Et une que je vous fais voir là. Bon, je m'arrête là, les eaux sont bien montées, bien montées, bien 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 montées. Ça pêche pas bien, je pêche pas bien. C'est pas qu'il n'y a pas moyen, hein, mais je pêche pas bien et j'aime pas trop pêcher dans les eaux qui poussent, qui poussent, qui buent. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, j'aime pas ça. Donc, bah, je m'arrête.
Bon, attends. Je m'arrête et puis bah, petit bilan, mais bon. Mieux la prochaine fois, quoi. Parce que là, j'ai ma canne de droite, bon, ça tenait, mais la canne de gauche, légèrement tirée en amont, elle tient pas. Elle tient pas, même avec. Je suis à 160 grammes, elle tient pas. Au-dessus, 300, 400, 500 grammes, je sais pas faire. Donc, bon. C'est bien comme ça. Ben, c'est bien comme ça, attends. On va pouvoir changer de crèmerie, voir des endroits peut-être un petit peu plus calmes. Ce sera mieux pour moi et peut-être pour. Hein? À plus tard. Salut.